Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver ce matin pour une petite routine du jour. On dirait que c'est rare que je filme le matin ici dans la salle de bain, c'est souvent plus le soir, je sais pas pourquoi. Fait que je vous fais une petite routine du matin qui est sponsorisée par René Furterer. Et après ça, on a une grosse journée devant nous parce que je vais faire mon ménage du printemps. En fait, je vais tout vous parler aussi, mes systèmes d'organisation par rapport aux tâches ménagères. Fait que j'espère que vous allez trouver ça intéressant, mais je pense que j'ai quand même des petits trucs à vous partager que vous devriez aimer. Puis oui, sinon, René Furterer, il y a quelques semaines, ils m'ont proposé de tester la gamme Tenucia, que je connaissais déjà un petit peu, je vous avoue, parce que Hugo, mon coiffeur, il adore cette gamme-là. En fait, cette marque-là, pardon, René Furterer, il les utilise vraiment beaucoup sur moi. Il va changer les gammes un peu selon mes besoins du moment. Mais là, pour le printemps, je voulais vous parler de cette gamme-là parce que, un, je l'ai bien aimée, puis je trouve qu'elle peut être très utile, très appropriée, en fait, en ce moment, parce que l'été, tu sais, quand tu commences à avoir le cuir chevelu qui regresse un petit peu plus vite et tout, moi on dirait que je veux m'éloigner de toutes les textures un peu plus cocooning de l'hiver, tu sais, tout ce qui était vraiment nutrition, hydratation. Là, je recommence un peu plus à me coiffer, tu sais, je laisse pousser mes cheveux aussi et tout, donc bref, je suis comme en période de transition, mais pour le printemps, je trouvais ça le fun cette gamme-là parce que c'est très frais. C'est toutes des formules qui sont comme gel, donc ça va apporter vraiment de la légèreté aux cheveux. Puis Tenucia, en fait, c'est une gamme qui s'adresse spécialement aux cheveux dévitalisés, fatigués et fins. Mon type de cheveux, c'est quand même normal, quoique dans le passé, j'ai déjà eu les cheveux, je trouve, un peu plus épais, mais j'ai quand même des super bons résultats avec. Vous allez le voir, dès que je sèche mes cheveux, c'est fou la différence, comme je gagne tellement en volume et en texture aussi. Donc c'est ça, si vous vous reconnaissez dans les termes que je viens d'évoquer, vous allez probablement aimer ces produits-là, parce que je trouve l'effet immédiat, on le voit. Tu vois ici, il dit shampoing repulpant, parce que je pense qu'il y a de l'acide hyaluronique là-dedans, puis ça fonctionne vraiment bien. En tout cas, moi, quand je sèche mes cheveux au séchoir, je vois vraiment l'effet de volume. Je le vois aussi si je laisse sécher naturel, mais encore plus avec le séchoir, donc je vais vous montrer ça dans quelques instants. Je voulais juste vous en parler rapidement, dans le fond, parce que, ouais, ils m'ont offert de les tester il y a quelques semaines, je les aime beaucoup. Donc moi, je suis bien heureuse de collaborer avec eux. Donc c'est ça, j'ai utilisé le shampoing avec les petites billes en dedans. C'est des billes qui renferment des huiles essentielles, entre autres, donc ça l'a vraiment... En tout cas, c'est tous des produits qui sentent super bon. C'est des formules aussi qui sont majoritairement naturelles. Donc ça, c'est vos deux étapes de base. Le masque, ce que j'aime, c'est qu'une pompe, ça équivaut vraiment à la quantité que vous avez besoin. On le laisse agir genre 2 à 5 minutes à peu près. Et c'est vraiment rare des masques qui ont une texture plus gel, comme ça, c'est comme gelé, frais. Donc ça va pas alourdir les cheveux. Fait que ça, c'est vraiment intéressant si vous avez des cheveux qui sont un petit peu fatigués, en fait, qui ont besoin de peps. Et finalement, la troisième et dernière étape de la gamme, si vous voulez l'ajouter, dans le fond, c'est comme un produit complémentaire qui va donner encore des meilleurs résultats. Donc ça a coupé, j'ai manqué de batterie. Pardon. Je disais, c'est le fun parce que c'est pas toutes les marques qui font ça, des sérums capillaires. Moi, en fait, je connais pas d'autres marques que René Furterer qui font ça. Mais on le sait, le cuir chevelu, c'est la base. Donc, ce produit-là, vous l'appliquez sur les cheveux mouillés, dans le fond, après le shampoing. Vous avez vu, il y a un petit applicateur comme ça, un embout super précis. Donc, c'est bon parce qu'il faut l'appliquer, en fait, comme ça. Réparer. On vient mettre ça partout. C'est frais, ça aussi c'est un gel, donc inquiétez-vous pas, ça va pas alourdir les cheveux, c'est pas le but. Bon, fait que là, je masse pour le faire bien pénétrer et on va aller sécher mes cheveux. Bon, let's go! Regardez-moi ça! Ça marche très bien. Je sais pas si vous vous rappelez de quoi ils ont l'air d'habitude mes cheveux là, versus quand j'utilise pas ces produits-là. Mais moi je le vois là, c'est fou, ils sont tout légers avec plus de texture. Donc une bonne base, mettons, pour aller se faire une petite coiffure après. Mais là je sais pas si je vais les coiffer, honnêtement je les aime quand même comme ça. Un petit peu foufou avec ben du mouvement, du volume. Je vais poursuivre ma petite routine puis après ça je vous retrouve pour la portion ménage!
Ben, toute prête! Hey, je me suis mis en robe! Il y en a qui vont être comme, mon dieu, t'es chic pour faire du ménage. Mais non, mais moi, des robes de même que tu fais juste genre sauter dedans, là, je trouve ça très confortable. C'est tout mou, tout stretch. Puis il fait chaud, cette semaine, il fait vraiment, vraiment chaud. Fait que j'ai décidé que j'allais être en petite robe aujourd'hui pour être bien confortable dans mes mouvements. Ok, mais juste pour savoir, c'est à quelle longueur de cheveux que ça arrête de flipper ses épaules? Parce que là, ils sont comme plus sur mes épaules. Puis ils continuent de vouloir friser les petits coquins. Il y en a qui trouvent ça beau. Moi, je trouve que des fois, ça fait trop années 60 ou genre 90, là, mais bon. Bon, fait que là, juste avant de commencer, je vais vous donner un petit cours 101 de comment j'organise mon ménage. Là, c'est un papier qui est genre... Ben, j'aimerais ça le faire plastifier, mais en ce moment, il est juste dans une petite pochette en plastique comme ça. Mais je vous dirais que c'est notre système actuel depuis... 2 ans? 1 an, je pense. Et puis c'est le meilleur, à mon sens, là, à date, dans tous ceux qu'on a eu ou qu'on n'a pas eu, là. Je vous rappelle, ça fait 9 ans que je suis avec mon chum, ça fait 9 ans, genre quasiment, qu'on habite ensemble ici, puis avant ça, à l'appart, où c'était nos premières expérimentations de couple, là, sur comment se séparer les tâches et tout. Je me rappelle qu'à l'époque, on faisait, mettons, la vaisselle ensemble. Là, aujourd'hui, avec nos horaires qui sont différents, le mieux pour nous, c'est vraiment de splitter les tâches. Je sais que mon copain, il préfère ça aussi, avoir des tâches qui sont assignées plutôt que, genre, je sais pas, le week-end, on se dit « Ah, toi, fais ça, toi, fais ça ». Je pense qu'il y a quand même des méthodes, qui vont être préférables dans certaines situations, mais le tableau que je vais vous montrer aujourd'hui, il fonctionne pour tout le monde. C'est juste que si vous êtes seul, ça veut dire que vous allez faire les tâches seul. Si vous êtes en couple ou avec des enfants, normalement il y a un partage de tâches qui existe d'habitude. Donc je pense que ça peut être utile pour vous aussi à ce niveau-là. Là, le mien est tout barbouillé, là je pense que je vais l'effacer. Juste recommencer, le mettre propre, qu'on voit bien. Mais c'est ça, donc en gros, c'est une espèce d'organisateur de tâches, si vous voulez. C'est le système que je me suis comme inventé, qui fonctionne bien pour moi. Si vous avez mon deuxième livre, bien chez moi, je l'explique un peu dedans. Il est pas sous forme de tableau, mais il est comme sous forme de liste à cocher, là, je vais vous montrer juste après. Et donc, pour le côté pratique, ben c'est ça, je l'ai imprimé, je l'ai comme plastifié, puis je l'ai mis sur le frigo, parce que c'est important de le laisser à quelque part que tout le monde qui participe aux tâches va voir, mettons. Pas genre dans votre Google Agenda, parce que là, je trouve c'est... En tout cas, moi, je trouve que c'est pas la place pour mettre les tâches. J'aurais tendance à plus les négliger. En tout cas, je crois que si je les vois tous les jours, mettons, sur mon frigo ou n'importe où, là, dans la cuisine, ou tu sais, une aire commune. Il y en a qui me demandaient si je faisais, genre, un peu de ménage à chaque jour, ou est-ce que je le fais tout one shot, genre, le week-end. Moi, je fais plus comme ça, parce que c'est vrai que j'ai pas de contraintes trop avec mon travail le week-end, c'est-à-dire que, tu sais, je suis plus libre, j'ai pas de... Genre, je dois rien remettre le week-end, fait que c'est sûr que c'est plus là que je vais le faire, mais évidemment je ramasse un petit peu à chaque jour, mais pour vrai, des semaines que je suis vraiment occupée de travail, là, c'est pas... le ménage sera pas ma priorité. Le ménage, personne là, qui attend après moi, fait que je dirais que j'ai une approche organisée du ménage, mais pas culpabilisante. If that makes sense. Ok, je vais vous montrer, c'est ça, le tableau, il est comme ça, puis je vais vous montrer dans le livre. Ménage simplifié, liste à cocher, donc chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque saison, chaque année. Moi, dans mon tableau, j'ai pas mis la colonne chaque jour, parce que pour moi c'est du par cœur, puis je prendrai pas le temps personnellement de le cocher à chaque jour. Mais donc je me suis fait une colonne chaque semaine, donc le week-end qu'est-ce qu'on fait, chaque mois, chaque saison et chaque année, parce que si j'écris pas ces trucs là je vais pas me rappeler c'est quand la dernière fois que j'ai genre lavé les coussins du salon, mettons. Ok, il y a toutes des petites affaires dans la maison là qu'on nettoie très rarement, donc ça pour moi c'est vraiment pratique, parce qu'effectivement le chaque semaine aussi c'est un peu du par cœur, mais tu sais, c'est juste pour genre keep track. Chaque semaine, ben là tu vois, j'ai mis vider litière, je le fais en fait plus que une fois par semaine le week-end. Quand je dis chaque semaine, ça va être comme peut-être quelque chose qui est plusieurs fois, mais qu'il faut faire dans le fond chaque semaine. Donc je m'assure le samedi ou le dimanche quand je fais mon ménage que les litières sont faites, la poubelle, tu sais, tout le recyclage, tout ça, c'est sorti, c'est vidé. Après ça, je vais ranger et laver les surfaces, évidemment. Donc c'est par quoi je vais commencer aujourd'hui. Là, je pense que je vais y aller par pièce. Parce que d'habitude, quand je suis rendue, mettons, à passer la balayeuse, ben j'y vais pas par pièce, tu sais, je fais la balayeuse partout. J'ai poussette partout, tu sais, je traîne comme un outil à la fois pour pas ça, là, tout mêler en haut, en bas et tout. Ensuite, j'ai mis laver, ranger, cuisine, mais en fait, c'est plus comme, tu sais, faire la vaisselle, là, tout débarrasser, parce que c'est souvent la pièce la plus sale, tu sais, que, je sais pas, avec la vaisselle, la cuisine qu'on fait à chaque jour.
c'est ça, c'est celle qui demande le plus de travail habituellement, la plus longue à nettoyer puis à ranger. Là, c'est évidemment, bon, une fois toutes les surfaces nettoyées, les petites crumbs qui sont tombées à terre, là, c'est le temps de passer la balayeuse. Souvent, une brassée de lavage aussi avant, là, je l'ai pas noté là-dedans, mais c'est souvent le week-end que je le fais, fait que là, je le ferai. Puis après, bon, ça, c'est les tâches plus à pattes qui sont dans le bas, donc laver la salle de bain, par exemple. Il va laver à chaque semaine aussi les deux bols de Lily, en fait, les trois bols qu'elle a, la petite tablette. Check si l'épicerie ou notre liste d'épicerie est prête, là, ça, c'est pas du ménage, mais bon, ça, c'est pas mal ce qu'on fait, genre, systématiquement à chaque semaine. J'ai pas le choix d'en parler, mais je sais, le ménage, c'est tellement... c'est propre à chacun, là, je fais un jeu de mots, mais c'est vrai. Il y en a qui vont faire, mettons, la mop, tu sais, laver les planchers à chaque semaine. Nous, c'est pas le cas. Je considère pas que nos planchers se salissent à une vitesse aussi rapide. Pour vrai, nous, on l'a mis plus dans la deuxième catégorie, donc chaque mois. Est-ce que je peux le faire deux fois par mois? Oui, je peux si c'est nécessaire. Mais même quand j'attends 30 jours, honnêtement, si je lave mes planchers, ils sont à peine grisante, là, tu sais, l'eau, je parle que l'eau sale qu'on va vider après, c'est presque pas sale, tu sais, fait que, tu sais, je sais pas, j'ai pas un chien qui va dehors ou des enfants qui ramènent de la boue en dedans non plus, fait que c'est ça, c'est vraiment propre à chacun, comme je disais. J'ai l'impression que je peux me faire juger, genre, juste en vous disant la fréquence de quelle tâche je fais, mais bon, tu sais, je pense que chaque situation, chaque maison, c'est unique, donc, please don't judge. Pour vrai, ici, avec les planchers qu'on a, je veux dire, ils sont tellement... naturellement brillant à cause du gros vernis qu'on a que ça paraît même pas s'ils sont sales, puis ils sont pas vraiment sales parce que c'est plus, c'est ça, c'est plus de la poussière, tu sais, des cochonneries que genre de la des choses à nettoyer avec de l'eau. Bref, donc après, c'est ça, on a des choses chaque mois comme épousseter les meubles, je le fais pas souvent. Laver les armoires de cuisine, tu sais, quand je vois des tâches évidemment fraîchement faites, j'ai fait, mais sinon je vais comme faire attention puis vraiment bien tout les nettoyer avec mes produits. Laver les petits tapis, tu sais, tous les petits tapis décoratifs qu'on a, on fait une brassée de ça une fois par mois. Après ça, chaque saison, donc ça c'est des trucs qu'on fait pas souvent, qu'on fait ça à peu près aux 3 mois. Donc laver le frigo, moi je sais pas à quelle fréquence vous le faites, peut-être qu'il y a du monde qui s'amuse à le faire à chaque semaine. Personnellement, j'ai pas temps et je n'ai pas cette envie. C'est vraiment une longue tâche de merde, on va se le dire. Et donc, pour cette raison, laver l'îlot, laver le frigo, je le fais en même temps, mais genre une fois par saison, puis si ça suffit, là, comme là, je l'ai fait il y a 2 semaines, puis il est encore tout propre, donc plus ça. Dépoussiérer les plantes aussi, je fais le tour avec mon petit chiffon humide, j'enlève la poussière parce que c'est mieux pour elles. Je lave les portes, les poignées, les lumières, tu sais, les switches, là. Je fais aussi le coulis de la salle de bain, ça y est dû d'ailleurs. Il y a des choses que j'avais fait un peu dans les dernières semaines, là, mais je vais comme évaluer qu'est-ce qui a besoin d'être fait. Épousseter tout ce qui est les petites plinthes, les cadrages, les luminaires, ça, on est dû pour le faire, puis ça fait partie, je trouve, aussi du ménage de printemps. Après ça, laver le micro-ondes, on le fait pas vraiment souvent non plus parce qu'on met un couvercle puis ça revole pas. Laver les rebords de fenêtres, tu sais, il y a toujours du poil, des petites cochonneries, c'est tout le temps dégueu. Et finalement, vous avez la liste chaque année. Je me dépêche, je veux pas que le vlog soit trop long, quoique après, ça va être plus du speed cleaning que genre des explications à outrance. Mais je vais vous parler de temps en temps des produits, tu sais, que j'aime, les choses que j'utilise, puis ben c'est ça. Chaque année, je lave justement les housses de coussins qu'on oublie de laver, dans le fond, les coussins du boudoir, du salon, des choses comme ça, à moins qu'ils seraient sales avant. Laver les gros tapis aussi, j'ai la machine, un genre de steamer pour enlever des taches, donc ça aussi, une fois par année, moi, ça me suffit. Laver les litières, donc tu sais, toutes les vider, puis aller les shooter avec ma hausse dehors avec des produits dedans. Vider le sac d'aspirateur central en bas, parce que d'habitude, en un an, il est pas mal plein. Laver les machines, donc tout ce qui est le four, le lave-vaisselle, la laveuse, ça, je le fais peut-être plus qu'une fois par année. Honnêtement, mais je l'aurais peut-être pas fait comme 4 fois dans l'année non plus, donc je l'ai mis dans cette colonne là. Aussi laver les fenêtres, ça Pat il l'a fait le week-end passé, on l'a pas fait en dedans par contre, je pourrais faire en dedans. Et vider le tuyau de séchage, ça c'est plus prévention incendie. Voilà, avec tout ça je trouve que c'est vraiment bien. En fait, je me suis laissé un petit espace en haut, donc chaque semaine, mettons, on a quel jour aujourd'hui, le 18, donc c'est le 17 05, après ça chaque mois, donc mois de mai, chaque saison, là on est encore au printemps, puis chaque année 2021, puis comme ça, ben c'est ça, dès qu'on fait de quoi, ben on le coche, et donc après ça, ben j'ai juste à l'effacer, puis on recommence. Pour moi, ça fonctionne super bien, puis j'espère que si vous avez de la misère, c'est ça, à keep track un peu, genre de qu'est-ce qui a été fait chez vous, puis qu'est-ce qu'on fait pas souvent, justement, ben je pense que ça peut être... ça peut valoir la peine de l'essayer, en fait. Surtout pour s'organiser avec d'autres membres de la famille. Si vous mettez tous les noms par couleur, ça peut être vraiment très simple visuellement. Donc voilà, fait que là, je vais commencer, je pense, avec le salon. Pas tout de suite
ma cuisine parce que c'est le plus en bordel. Donc je vais ranger, je vais aller chercher un panier en fait. Là j'en ai pas en bas, mais je prends toujours un gros panier pour mettre tous les trucs qui sont pas à leur place, ben qui devraient aller en haut. Donc c'est pour ça d'habitude il y en a un au pied de mon escalier, mais là il est pas là. Parce que pas question que je vais faire des allers-retours à chaque fois qu'il y a une affaire qui est pas à sa place, qui doit aller en haut. Fait que je laisse ça là. Et c'est parti! Avec la belle Lily qui est là. Coucou, je sais pas pourquoi, il y a des manettes à terre. Je pense que Pat a fait son sport ici hier. Fait que le salon est tout bien fait. On va juste commencer par ranger, remettre les trucs à leur place. Moi qui sais pas ramasser hier. Ça me parlerait de la musique. J'ai besoin de motivation quand je fais du ménage. Fait que je vais mettre de la musique et je vous retrouve juste après. Ça c'est un beau salon propre, j'ai fait un peu plus, c'est ça, que d'habitude là, comme je dis, je sais pas si c'était clair qu'est-ce que j'ai expliqué tantôt avec mon ordre de ménage et tout, puis que je disais là je vais faire une pièce à la fois contrairement à l'habitude, c'est juste en fait parce que je veux pas genre traîner la caméra le trépied partout. Là en passant il va juste rester la balayeuse, mais je vais le faire tout one shot à la fin là, ça va être un peu plus simple que de l'arrêter à chaque fois. Et j'ai aussi flashé pendant que je faisais le salon que j'ai pas parti de brasser, fait que je vais aller chercher ça tout de suite puis on va en faire une. By the way, si jamais vous avez ces chaises-là, là, sont en plastique, mais c'est du plastique qui est comme un peu poreux. Je sais pas si vous le voyez, mais quand je frotte, c'est dégueulasse, il y a un peu de crasse qui sort, genre que tu penses que c'est ta couleur de chaise, mais non, parce que celle-là, là, je le vois, est vraiment plus blanche. Bref, ils sont durs à nettoyer, j'aime pas vraiment ça pour ça, mais quand vous prenez genre un truc en fait qui a une texture, plus la mousse désincrustante que j'ai parlé dans mon dernier vlog, là, celui qu'on faisait des DIY zéro déchet, ça marche extrêmement bien, parce que là, t'es capable de... C'est comme dans le fond un exfoliant pour les chaises, si je peux faire le parallèle avec les soins de la peau, là, ça prend... C'est ça, ces chaises-là, ils ont besoin d'un exfoliant de temps en temps, sinon ils restent vraiment tachés juste avec un spray, là, fait que... J'ai sorti la grosse artillerie. Je sais que Lily, elle se couche souvent sur ces chaises-là aussi, là, fait que ça salit plus vite, parce que sinon, on s'en sert pas tant que ça, pour vrai. Voilà.
il est rendu 1h30, je ne lâche pas, j'ai dîné bien sûr, là je m'en vais commencer bientôt la cuisine. Mais là je vais essayer de laver, c'est ça, les vitres de l'intérieur. Et j'ai ça ici, bon là il est sale, puis j'ai peur que ça va leur salir si jamais justement il y a de la poussière dedans, là je verrai. Mais c'est un petit linge, ok, j'ai oublié le nom, je pense que c'est Jude's Miracle Plus. De quoi de même, je vais essayer de le retrouver, j'avais acheté ça sur Simons. Miroir, vitre et compagnie, tu sais, les écrans comme j'ai fait la télé tantôt, mon écran d'ordi, genre tu le vois là, quand t'es de profil, là, toutes les traces de doigts, ça part tout seul avec ça, ça prend juste de l'eau, pas besoin de produits. Fait que je suis vraiment vraiment ravie, je voulais vous en parler parce que c'est quand même un de mes récents coups de cœur ménage. En tout cas, je vais aller me mouiller puis après ça on va faire les vitres. Oupsie, oh my god. Pourquoi c'est si sale que ça des vitres à l'intérieur, je comprends pas. Fait que là, j'ai rangé les trucs de déjeuner, tout ce qui traînait. Je sais pas pourquoi ça s'est mis à traîner autant aujourd'hui, mais regarde, on fera pas, c'est ça, on fera pas semblant. Après ça, d'habitude, je mets tout ce qui est, ben, tout ce qui va au lave-vaisselle, dans le lave-vaisselle. Là, j'ai commencé à déplacer ici, fait que je vais compléter. Ah oui, puis j'ai un petit truc pour vous. Ben, oui, en fait, j'en ai deux que je voulais vous parler. Premièrement, ça, c'est niaiseux, là, mais si vous êtes capable de pogner l'habitude de mettre dans le même panier les ustensiles, genre les couteaux, les cuillères, puis les fourchettes ensemble. Quand vous venez pour les ranger, après vous faites juste pogner tout en même temps puis le pitcher dans le tiroir correspondant ou dans le contenant plutôt. Mais pour vrai là, ça sauve tellement de temps versus comme tout est trié comme ça. Fait que c'est ça que je fais, puis c'est ça, une fois que le comptoir est ben, il est enlevé du stock qui traîne, là je mets mon petit spray comme ça, là c'est celui de caramel rose. Ça sent la gomme ballon, c'est vraiment le fun de faire le ménage avec ça. Mais je l'aime parce qu'il est moussant, fait qu'il est plus comment dire, il est plus intense que celui que je fais au vinaigre là, qui est l'autre que j'utilise depuis le début de la journée. Tout dépendant du niveau de saleté, je vais peut-être utiliser lui, mais pendant que je fais la vaisselle, dans le fond, ça va agir. Fait qu'après, t'as pas à frotter, là, tu fais juste comme passer la guenille, puis ça part. J'ai l'impression que ça va vraiment mieux désinfecter que si je le laisse agir, genre 10 secondes. C'est comme le démaquillant pour les yeux, on n'est pas censé, genre, tout de suite frotter, faut le laisser un peu agir, puis après ça, commencer à démaquiller. Même si on a l'impression que c'est plus long, là, au bout du compte, on sauve du temps. L'évier ici là, avant d'avoir terminé le rez-de-chaussée, je ferai pas le boudoir parce que ben je peux pas, tout simplement. Je vais vous montrer comment ce qui est en ce moment. Il y a comme des outils dedans, voyez-vous, parce que ben part de redresser le patio comme je vous ai dit avant de faire le projet pergola. Donc c'est ça, on a encore besoin de tous ces outils là pour l'évier. Dans le fond, c'est pas compliqué. Moi je prends une petite brosse vraiment juste pour ça, la mousse récurrente encore une fois. Ça dans le fond c'est de l'eau, du savon de Castille et du bicarbonate de soude aussi. C'est que ça vient vraiment comme récurer, tu sais, tu peux pas prendre justement un spray. C'est le même principe que les chaises tantôt là-bas, là. J'avais eu le commentaire il y a quelques semaines, quelqu'un qui me disait « j'ai le même évier que toi, comment tu fais pour le laver? » Parce que c'est vrai que moi je trouve qu'il manque un peu de pente, genre souvent la merde, tu sais, comme des petits résidus de bouffe pis tout, ça reste un peu pogné dans les coins. Mais bon, quand il est dégagé comme ça, c'est ça, j'en profite pour faire un gros clean-up. C'est pas ma job de préférer, je vous avoue, là, je trouve ça comme long pis c'est que ça dure une journée même pas. C'est pas parfait, mais ça brille, c'est propre, on aime ça. Ouf, hey, c'est déjà tellement mieux que c'était, là, ce qui traîne, c'est genre les choses que je me sers en ce moment. Le reste, tout est spick and span, j'ose le dire, oui. Et là, shit, je pensais que j'avais fini en bas, mais il me reste la balayeuse, fait que je vais faire, ouais, la balayeuse centrale en bas, après ça, on monte en haut. Et je sais même pas si je vais être capable de faire ben, tout ce que j'ai envie dans ce vlog-là, c'est fou, là, c'est ça, je dis, ça prend genre 2 jours. Ça fait officiellement, là,
quasiment 4 heures que j'ai commencé. Genre des fois je me demande pourquoi j'ai pas de femme de ménage, ça n'a pas de bon sens. Ouais, c'est parce qu'en haut, c'est ça, mon studio déborde de produits à donner, de produits à classer, à gérer, à tester et tout, genre. Mais je veux au moins classer, ouais, faire le tri, le ménage dans mes produits de salle de bain. Parce que c'est fou, là, ça fait quelques semaines que c'est genre tout pêle-mêle, genre les produits sont empilés pis y a aucune organisation. Fait que si jamais vous faites du ménage en même temps que vous m'écoutez, lâchez pas non plus! Parce que c'est un peu ça le but des vidéos Clean With Me, hein, c'est de s'auto-encourager. Ben, Pat l'avait fait il y a quelques jours, fait que c'est pas vraiment sale, mais comme je disais tantôt, je vais faire le bain. Et le coulis qui est taché, ça sortage tout le temps. Je sais pas si vous avez trouvé une recette maison miracle pour ça, j'avais checké plein de blogs. Puis finalement, je me rappelle pas par cœur quelle recette que j'ai préférée. Puis carbonate de soude et c'était-tu du peroxyde? Je pense que oui, parce que ça a une action genre blanchissante. Fait que je vais peut-être tester ça, mais là, j'ai vu que j'avais ça aussi dans mes produits ménagers de la salle de bain. Je m'en servais plus dans la douche, à vrai dire, mais ça dit coulis et carrelage, donc peut-être que ça va fonctionner. Je vais le laisser agir 10 minutes, fait que j'irai faire les bords de fenêtre en haut pendant ce temps. Bon, fait que là je vais faire le bain, puis je voulais juste vous dire, d'habitude je le faisais avec la pâte récurrente. Encore une fois, je vous dis, ça nettoie tout. Mais là l'autre fois, ben c'est ça, j'avais pas refait mes recettes, hein, je les ai fait avec vous dans l'autre vlog. Puis quand je parlais de la culpabilité dans le zéro déchet, ben regardez, cette fois-ci j'ai pas le choix d'acheter quelque chose et je dois dire que c'est un merveilleux produit. Les fameuses, ben les effaceurs magiques de Monsieur Net, en fait j'y connaissais déjà, mais pas ceux-là pour le bain. En tout cas, ça sent bon, c'est parfumé et ça lave, mais tellement bien, là, tu sais, genre le vieux grime, là, je sais même pas c'est quoi la traduction en français, mais genre du grime. L'espèce de crasse, là, quand c'est un peu brun, je sais que c'est dégueu. C'est vraiment magique, là. Je pense pas que ça se voit, mais en tout cas, ici, il y a tout le temps comme, tu sais, là, genre de la crasse qui se pointe, c'est un peu dégueu, là, mais on le voit que ça marche comme. C'est fou! Bon là j'ai eu un flash, j'ai envie d'essayer mon bon vieil ami, ouf, le Little Green Pro Heat de Bissell. J'ai totalement acheté ça à cause qu'il y a du monde qui en a parlé sur Instagram. Super pratique donc quand il y a des taches sur tout ce qui est textile. Fait que tu presses ici dans le fond, puis de là il va sortir ben, de la vapeur d'eau chaude en fait. Puis là tu vois comme toute la crasse qui va rouler en dedans et qui va être dans l'autre réservoir après. Fait que je sais pas si ça va marcher sur les matelas, j'ai jamais vu personne le faire, mais je me dis que tu sais, si on pourrait redonner un petit coup de neuf, parce que je pense pas que je peux l'enlever pour la laver. Ou si oui, je serais vraiment vraiment très surprise d'apprendre ça. C'est un Casper notre matelas en passant, mais non, je pense pas qu'il y ait de zipper nulle part. Oh my god, ok. C'est parce que, pourquoi j'ai jamais pensé qu'il y avait un zip sur les matelas? C'est parce que mon ancien, il n'y en avait pas, puis j'ai assumé que tous les matelas n'avaient pas de zip, genre ça se nettoyait pas un matelas. Mais j'ai quand même le goût d'essayer ma machine, comme ça je vais savoir si ça marche, mettons, pour des nettoyages rapides, parce que là, on aurait-tu de la misère, mettons, à le remettre après dedans? Parce que c'est comme un peu gros. Là par contre j'espère que je vais pas être la seule qui a pas lavé son matelas. En genre ça fait quoi 2 ans qu'on l'a? Ah oh, si oui je me sens conne, ah oh, je me sens mal. Puis c'est dégueulasse vous voyez? Ah oh, ça va être là, ouais c'est ça j'ai dit, ça va être la thumbnail. Ouais même si ça a pas enlevé vraiment les cernes jaunes, tu sais la transpiration c'est comme les vêtements blancs là, ça tâche vraiment. Je vois quand même que ça a fonctionné parce que vous voyez la couleur entre les deux os, c'est dégueulasse que je vais arrêter de vous montrer ça, ça a pas de sens. Qu'est-ce que ça dit?
bigger. Mais pour vrai, c'est parce que si on peut laver la housse, puis qu'on peut le remettre, je veux dire, là, on le fera. En plus de ça, regarde, on va dire que c'était comme un pré-traitement. OK? Bon, fait que là, je m'en allais voir le résultat avant balayeuse du coulis. Je pense que c'est pas mal sec. Peut-être s'il y a des petits spots comme ça, là, ça, c'est encore mouillé. Mais je pense que c'est mieux, non? J'ai fait un petit avant-après, on va pouvoir comparer. Il me resterait faire le tri de mes produits ici. Mon studio que j'ai rien fait encore, mais j'ai pas le goût, genre, sérieux, je commence à être tannée, là, ça fait genre 6 heures, 7 heures que je fais du ménage. Quoi, non, je pense que ça va ressembler à ça. Je veux pas que le vlog soit trop long pour vous non plus. Je vais juste finir peut-être avec le tri de produits. On va cocher aussi qu'est-ce qu'on a fait. Regardez, sur papier, tu sais, c'est le fun de rayer des tâches, là. C'est tellement satisfaisant. C'est comme la cerise sur le sundae. Fait qu'on va faire ça, puis après ça, ben, ça sera tout, je crois. J'ai accroché le doigt de Lily, puis il va faire ça. Voilà, merci. Je vais le déposer doucement. Bon, les cocos, c'est terminé. Oh my god. Ouf. Seigneur, hein? C'était toute qu'une journée. Je vais venir compléter mon petit tableau. Coulis salle de bain, c'est fait. Laver drap plus thé, oui. Laver miroir, oui, ils sont propres. Laver le bain, chip, c'est fait. C'est peut-être un peu chaotique. Je sais pas ce que ça va donner au montage, là, mais comme je faisais bien des affaires en même temps, des fois, j'oubliais de vlogger aussi. Regardez quand même. Tout ce qu'on a coché, je trouve ça impressionnant. D'habitude, faut dire que le ménage que je fais genre le samedi ou le dimanche, ça me prend souvent max 2 heures. Tu sais, 1 heure et demie, 2 heures à peu près. Je sais pas vous, dites-moi dans les commentaires comment vous vous organisez puis ça vous prend combien de temps. Parce que c'est sûr que ça dépend si vous êtes seul, si vous splittez avec quelqu'un ou tu sais, plusieurs personnes, je sais pas. Mais une chose est sûre, avoir une maison, j'allais dire à 2 étages. Il y a 3 étages, mais pour l'instant, il y a un étage qu'on fait pas le ménage. Vous savez pourquoi? Mais si à un moment donné, on se rend à rénover le sous-sol puis que lui aussi, il faut genre keep up avec le ménage. Honnêtement, je sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais pas le faire aussi souvent que les 2 étages. Puis c'est fou comment genre ça se salit vite une maison. Une maison, condo, appart, peu importe. Bref, si vous avez aimé ce vlog, si ça vous a donné de la motivation à faire du ménage dans votre chez vous, laissez-moi un thumbs up. Vous me demandez souvent comment vous pouvez m'encourager. Ben, des manières gratuites de le faire, c'est genre de laisser des commentaires, des thumbs up, vous abonner évidemment si c'était pas déjà fait. Puis ben voilà, je vais vous retrouver sûrement la semaine prochaine, je pense, soit avec mon vlog de plate-bande, la nouvelle dans la nouvelle section, là, ou le vlog de pergola, donc qu'on va fabriquer très prochainement avec Patrick. Et j'ai très très hâte, fait que stay tuned et je vous dis à la prochaine. Bye!